Ça fait un moment que je pense à une façon de partager mes fleurs, pas à une plus grande échelle parce que c'est pas, j'ai pas une production de folie dans le jardin, mais je dirais peut-être avec des voisins que j'ai pas encore rencontrés. En fait, depuis qu'on a emménagé ici, donc ça va faire plus d'un an, il fait tellement bon en Californie jusqu'en octobre-novembre qu'en fait on se retrouve quand même à avoir des fleurs très longtemps. Alors en plus, moi je cultive des fleurs qui, plus vous coupez, plus vous avez des fleurs quoi. Alors zinnia, ça dépend peut-être de quel type de zinnia, et encore là, je vois ceux que j'ai plantés sur le devant, qui sont des California Giants, qui sont beaucoup plus vibrants dans la couleur, un peu moins pastel que les fleurettes, que ceux que j'ai achetés chez Fleurette Farm. Ça fait des bouquets un peu plus vibrants, mais c'est vraiment joli aussi, j'aime beaucoup. Du coup, c'est vrai que jusqu'à septembre-octobre, j'ai vraiment beaucoup, je continue à avoir pas mal de fleurs, et ça c'est cool. Plus je coupe, moins les plantes vont monter en graines et vont concentrer leur énergie sur le fait de faire des graines plutôt que des fleurs, de nouvelles fleurs. Et du coup, c'est rigolo parce que l'an passé, donc nous sommes arrivés au printemps et à l'automne, j'avais déjà quelques amitiés que je m'étais créées ici. Et c'est vrai que j'étais devenue un peu la copine qui amène des fleurs, quoi. Et à qui on ramène le vase à chaque fois qu'on se voit parce que j'ai oublié des vases un petit peu partout chez mes amis. À chaque événement, un anniversaire ou bien des amis d'amis ou des choses peut-être un petit peu plus formelles, on amenait peut-être un cadeau pour un anniversaire, puis on amenait aussi des fleurs. Et c'est rigolo parce que parmi les copines que je me suis faites ici, il y a plein de nanas différentes. Des nanas hyper créatives qui ont aussi, je pense, la main verte. D'autres, peut-être plus dans la tech, enfin, quoique les deux ne sont pas incompatibles, mais voilà pour vous dire. D'autres, peut-être un peu moins. Des copines entrepreneuses, tout ça. Et c'est vrai que du coup, quand on leur amenait des fleurs avec Louis, elles étaient hyper contentes, quoi. J'ai commencé aussi à en offrir à certaines voisines et certains voisins que j'aime beaucoup. Et puis à l'automne, du coup, en voyant toutes les fleurs que j'avais encore, je me suis dit, tiens, l'an prochain, ça serait bien de créer un petit quelque chose pour mettre devant la maison. On est rarement devant la maison, même si c'est un grand espace quand même, c'est souvent comme ça aux États-Unis. C'est pas fermé, c'est tout ouvert. Et du coup, c'est vrai que quand on y est, on voit des gens qui passent, notamment je pense le week-end, qui vont se balader, qui promènent le chien, qui marchent, qui courent. Et alors Louis est très sociable, hein, donc il n'hésite pas à dire bonjour, à demander qu'est-ce que tu fais? Quel est ton nom? Qu'est-ce que tu fais? C'est sympa, ça permet de commencer des conversations. Et je me suis dit que si je mettais quelque chose devant la maison, ça serait une bonne façon de continuer à partager mes fleurs. Et donc j'ai dessiné les plans et mon mari m'a construit ça. J'ai vu qu'il vendait aussi des plans en ligne sur Etsy pour des chariots, des trucs comme ça. Donc, papa et maman alors? Des plans à imprimer, des trucs comme ça. Donc un peu plus facile. Pour celui-là, comme il roule pas et qu'il n'y a pas beaucoup d'étages, j'ai un petit étagère sur lequel j'ai pu mettre j'ai acheté un petit cadre joli pour écrire. Bah voilà, choisissez un bouquet. Papa. Prenez un bouquet, prenez un petit sachet de nourriture, vous savez, pour mettre dans l'eau. Et puis profitez, quoi. Et du coup, je les ai mises gratuites. C'est rigolo, les gens me laissent des petits pourboires, de temps en temps, pas toujours. Je pense qu'ils se sentent mal de prendre des. En fait, j'ai dans le panier où j'ai mis les petits sachets de nourriture, j'ai mis quelques galets pour pas que les sachets partent. Il y a pas mal de vent là où on est. Et du coup, il y en a qui m'ont glissé voilà, quelques dollars sous les cailloux dans le petit panier. C'est rigolo. Ça va nous permettre d'acheter encore plus de graines. Madame. Je mets, voilà, de temps en temps. Et alors, j'ai montré ça à mes copines. J'avais pas partagé sur Internet, sur YouTube ou sur Instagram. Pourtant, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai et que j'utilise. Je sais pas si c'est que j'avais envie de garder ça pour moi ou simplement que j'ai pas du tout le temps, en fait. J'avais envoyé à mes copines. On leur dira si vous passez dans le quartier, il y a des bouquets de fleurs qui vous attendent. Et j'ai une de mes copines qui est une entrepreneuse. Qui, pour sa marque, elle a créé une marque de vêtements. Je l'aide un petit peu à lui faire du contenu. Et elle va faire un événement et elle m'a dit tiens, est-ce que tu pourrais te louer le stand? Alors j'ai dit je te l'amènerai gratuitement parce que c'est ma copine. Et je te ferai des petits party favors, des petits comme des petits cadeaux, des petits bouquets à emporter. Je vous montrerai ça. Et du coup mon petit stand de fleurs va faire son tout premier événement. Je vous montrerai ça, je vous donnerai des nouvelles. Elle m'a demandé de créer un compte Instagram pour ça, parce qu'elle veut me faire un peu de pub. Alors, je sais pas du tout où cette aventure va me mener, parce qu'on va faire plusieurs événements comme ça.
si j'ai mes amis qui me demandent, ça sera avec grand plaisir. Si vous voulez suivre les aventures de mon petit stand de fleurs, où est-ce qu'il va se produire, qu'est-ce qu'il va devenir, et ben, je vous mettrai, j'ai créé du coup un petit compte Instagram pour ça. Mais je me suis dit que peut-être certains d'entre vous, certaines d'entre vous seraient peut-être curieuses de vous savoir où est-ce que cette aventure va nous mener. Ok. On va aller prendre la main. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir et j'ai rencontré du coup de nouveaux voisins grâce à ça. Qui m'ont peut-être pas vu parce que j'avais laissé le stand de la journée et puis deux jours plus tard, ils sont venus me voir parce qu'on était devant le jardin et ils m'ont dit « Ah, il y a deux jours, on a pris un petit bouquet !» Alors j'ai fait des mélanges et j'ai sorti plusieurs fois. J'ai fait des mélanges, donc j'ai mis surtout voilà, ce que j'avais, des zinnias, des cosmos. En fleurs de remplissage, j'avais pas beaucoup. C'était un peu galère en ce moment. Les gypsophiles commençaient à se faire rares. J'avais mis un peu des achillées. J'en avais fait certains dans les tons orange. J'avais coupé des jolis dahlias. Voilà.